Chuti wakunzi biganiro vingino bica kuri Induni TV ndabaramusa nongera kandi nkabayikaze bipanye naho muherereye muri kanukanya ngo mubizi rero Induni TV ndasiba kwa mibazanya makuru ashushye ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani washu dese no hanze y'igihugu abarurizi abarongozi abakinyi bakera abamwitwita aba legend nabandi batandukanye nkuko mubizi rero umugi nsebikira giguye inamba mu rugamba watarinze imyaka 23 wamaze kwerekereza hariya mu gihugu cha Ethiopia mu ntumbero yo kwitabira ngino za Sekafa ariko naho uno mugwi winamba mu rugamba werekeje hariya muri mu gihugu cha Ethiopia harabakinyi bamwe bamekumbure batigeze baba selectionne basigaye hano mu gihugu nabakinyi bamwe bamwe bakina mu bihugu vya Burayi twa turi kumwe numwe mu bakinyi bakina mu gihugu cy'u Faransa araza kutwidondora atubwire na carrière y'umupira wa maguru yiwe n'imigwi akinamwe. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kin Boyayo. Qu'est-ce que ça veut dire Boyayo? Boyayo, ça veut dire Gezaho, donc arrête là. Et c'est-à-dire, genre, quand quelqu'un dit beaucoup de trucs, ou bien si tu fais trop de quelque chose, on te dit Gezaho, ou bien Boyayo, et tu arrêtes. Mm. Boyayo, c'est qui? Où êtes-vous né? Boyayo, c'est un jeune Canadien qui est né au Canada, issu de parents burundais, qui joue en France et qui a 20 ans. Dans quel club évoluez-vous actuellement? Actuellement, j'ai pas encore commencé parce que je suis encore nouveau, mais j'évoluerai pour cette saison au sein du club de Jura Sud. Mais avant de venir ici, j'évoluais dans un club qui s'appelle Voiron FC. Voiron-Moiron FC. Et voilà. Où avez-vous débuté votre carrière footballistique? Je l'ai débuté au Canada. Quand j'étais tout petit, je me rappelle pas vraiment, mais j'étais tout petit, je regardais mon père jouer et puis j'ai décidé d'aller aussi. Et depuis je joue et ma carrière en Europe, elle a commencé quand j'avais 18 ans. C'était un footballeur? Ouais, c'était un grand footballeur ici, on m'a dit. Footballeur, il a joué à quel club ici? Si je me rappelle bien, c'était Atlético. Ouais. Atlético. Au cours de votre jeune carrière, quelles auraient été les difficultés rencontrées, Boyayo? Pour moi, la plus grande difficulté, c'est le fait que je sois né au Canada, puisque le réseau il n'est pas élevé comme en Europe. Donc, c'est aussi dur de sortir du Canada en jouant au foot parce qu'il n'y a pas beaucoup d'agents, il n'y a pas beaucoup de clubs qui regardent là-bas. Donc, ça a été ça la plus grande difficulté. Pas eu les succès? Pardon? Pas eu les succès? J'ai eu les succès, mais il y a d'autres succès qui arrivent encore avec le travail et l'équipe qui est autour de moi, avec mon agent et mon équipe. Donc le succès arrive. Comment avez-vous eu l'idée de venir servir l'équipe nationale du Burundi des U23? J'ai toujours voulu venir en équipe nationale. J'ai toujours voulu venir pour mon père parce que je sais qu'il a joué ici et qu'il n'a pas pu faire les grandes choses qu'il voulait faire. Donc j'ai toujours voulu venir pour prendre sa place et essayer de continuer ce qu'il n'a pas pu faire. Donc depuis tout jeune, c'est un rêve de vouloir jouer ici. Donc quand on m'a appelé et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais plein d'émotions, j'étais content. Donc c'est une fierté. Qui connaissez-vous sur le football burundais? Pour le football burundais, c'était la première fois que je voyais le football burundais. Et j'ai été étonné par le physique, la vitesse et tout, mais c'est une bonne expérience. Et il faut juste que j'apprenne et que je m'habitue plus au niveau burundais, au niveau international. Et quelles sont vos perspectives d'avenir concernant votre carrière? Pour moi, c'est je vais avancer, je vais continuer d'avancer puisque c'est le fait qu'on m'ait appelé pour la première fois, c'est juste la première fois. Et je sais qu'il y en aura d'autres avec le travail, la rigueur. Donc je sais que pour le futur, je serai de retour. Et espérant que la prochaine fois, je pourrai faire plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Quel message adresseriez-vous aux jeunes footballeurs burundais pour qu'ils puissent se hisser au niveau des clubs européens? Je dirais qu'il faut juste qu'ils travaillent. Qu'ils travaillent et que,
qui continuent de travailler, que la chance va leur sourire un jour aussi. Mais il faut qu'ils soient prêts à saisir la chance quand elle arrivera. Mais pour les jeunes, il faut juste travailler. Tu n'as pas eu la chance d'aller au CECAFA. Que manque-t-il ? Il me manque, selon le coach, et moi aussi j'ai accepté, ce qui me manque, c'est de l'explosivité et plus de force. Tu vois ? Puisque au Canada, ici, c'est différent, puisqu'au Canada, j'étais toujours un des plus costauds, donc un des plus forts. Mais quand tu arrives avec des gens de ton âge qui ont de l'expérience en première division, ça devient plus dur. Donc, le coach m'a dit qu'il fallait que je prenne de la force, du muscle, un peu plus de vitesse. Et j'ai accepté. Et puis, c'est sur ce que je devrais travailler pour l'année prochaine. Vos collègues espèrent-ils réussir au CECAFA ? Ils espèrent réussir. Et moi aussi, j'espère qu'ils réussiront. Puisque nous avons joué ensemble, nous avons échangé ensemble. J'ai découvert beaucoup de nouveaux amis, de nouveaux coéquipiers. Et puis, je leur souhaite que du bon succès à eux et au coach. Quels joueurs sont allés au CECAFA aimez-vous le plus? Moi, c'est Nicolas, mon ami. Parce qu'on a vécu ensemble pour maintenant une année. Et je vois le progrès qu'il fait, comment on s'entraide. Et je vois que pour moi, c'est un des joueurs qui le méritait le plus. Mais si je parle d'un joueur que je ne connaissais pas, je dirais Onésime. Parce que c'est un joueur que je respecte beaucoup. Puisqu'il est très calme, il est très sérieux. Et c'est quelque chose que moi aussi j'essaie d'avoir en moi-même. Même si vous n'avez pas allé à CECAFA, si vous êtes parfois appelé à venir jouer l'équipe nationale du Burundi, serez-vous prêt? Avec plaisir. Puisque j'ai pas eu la chance de jouer encore un match, mais ce serait un plaisir d'enfiler le maillot et de représenter les couleurs de mon pays. Toujours par rapport au football burundais, comptez-vous un jour servir les Inamba seniors? Si oui, pourquoi? Oui, et le pourquoi, c'est toujours la même chose. J'ai envie de représenter mon pays, mais j'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Donc si le niveau à senior, c'est le plus haut, j'espère aller là-bas et j'espère y aller très vite. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de votre carrière. Derrière, merci beaucoup. Rekayo ndabashimire mwese mwashowe kudukurikirana muri beshingira mwumvise ibitari byaho uno musore Boyayo washowe kuvuga yuko umuvyeyi wiwe yigeze gukinyira umugwi wa Atletico Olympique urumva yuko ari famiye yiwe ni famiye avuka muri famiye y'umupira w'amaguru. Rekayo ndabashimire mwese mwashowe kudukurikirana muri benshi ndetse ngaboneraho nakage ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro cyakuri Nduni TV. Hasta la vista. We'll be right back.